Froide, c'est quand même génial. On part en vélo de chez nous pour venir faire une voie d'escalade à Aile Froide. Ça aurait pu être le départ d'une de tes aventures. Voilà, voilà, c'est des projets qui m'ont toujours tenu à cœur d'essayer de redéfinir l'aventure à ma porte. C'est génial parce que quelque part, c'est une redécouverte de mon environnement proche. C'est un réenchantement du monde et ce sentiment aussi très très fort du loin proche. C'est-à-dire qu'on peut être à 10 km de chez soi sur des arêtes un peu isolé et en fait on a le sentiment d'être au fin fond de l'Alaska quoi. Tu écris aussi beaucoup et donc à travers tes aventures, tes livres, tout ça, c'est ce que tu dis en fait, tu fais voyager, tu partages, tu racontes un nouvel récit et au-delà du côté humain, il y avait tout ce côté en lien avec le vivant. Qui est absolument fondamental. Pour moi, la montagne m'a toujours appris que finalement c'était une ouverture du cœur, c'était une ouverture de l'esprit et que cette ouverture, cette double ouverture finalement, elle peut passer que par une forme de hauteur d'homme, d'humilité aussi. Cette connexion retrouvée va lui permettre de trouver une forme de sérénité, de retrouver aussi sa place, parce que trop souvent dans nos sociétés modernes, l'homme se déconnecte complètement de son milieu et quelque part est complètement perdu. Si en fait on ne respecte pas le vivant, si on ne respecte pas le rocher, si on ne respecte pas l'herbe, si on ne respecte pas les fleurs, si on ne respecte pas notre air, finalement, c'est nous-mêmes qu'on ne respecte pas, quoi. Et si on ne se respecte pas, on court quelque part à notre perte aussi, quoi. Et tu disais, la montagne, on se rend compte aussi, en tout cas à travers tous tes expés, tout ça, qu'elle est fragile. Alors, on s'en rend compte encore plus aujourd'hui en voyant la fonte des glaciers, en voyant les canicules. Comment est-ce que tu vis tout ça? Qu'est-ce que tu ressens? Donc effectivement, pour moi, il y a une immense tristesse à faire ce constat effectivement de la disparition des glaciers, mais c'est pas que ça, quoi. Tout ce que ça implique pour l'être humain, c'est-à-dire la ressource en eau qui va se raréfier, des zones de la planète qui vont devenir invivables, et que quelque part l'être humain finalement rend des portions de la planète de plus en plus dures à vivre. Donc après, face à ça, qu'est-ce qu'on fait, quoi? Puis moi, j'ai le sentiment, dans ma juste possibilité, d'essayer de faire du mieux que je peux, déjà pour moi laisser la trace la moins importante possible sur la planète, mais après avoir un rôle, je dirais, beaucoup plus militant, beaucoup plus vindicatif, où, entre guillemets, j'essaye de montrer cette urgence qu'il y a à réagir et qu'on a tous envie de vivre bien sur la Terre, quoi. Et que si on veut vivre bien, forcément, il faut vivre en complicité et non pas en opposition avec le milieu dont on fait encore partie. S'il y avait une priorité aujourd'hui, selon toi, pour aller dans ce sens de préserver le vivant, de vivre plus en harmonie avec le vivant, tu dirais quoi? Pour moi, il y a une forme d'évidence dans la réponse. C'est un peu la base du vivant, c'est tout simplement l'eau, quoi. L'eau, on a trop oublié dans nos modes modernes que il suffit de tourner un robinet puis on a de l'eau qui coule. Et pour moi, ça, c'est juste miraculeux. Bon, Don, écoute, merci. C'est l'heure de se dire génial. Au revoir. Regarde, on est bien là. Et je pense que je vais continuer. Donc, je sais pas sur quoi tu vas enchaîner, mais moi, je vais continuer. Ben ouais, t'as encore un peu du boulot, là. Je crois que tu t'en vas par là, là. Ouais, c'est ça. Et puis qu'il ne faut pas non plus que tu traînes trop, parce que t'as encore un petit peu de chemin pour aller tout là-haut, quoi. C'est ça. Donc écoute, merci beaucoup. Bon, Letty, c'est un vrai plaisir.